Salut les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouvel épisode du 100 bébé challenge. Et en hors caméra, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai looké la petite ici, qui avait avant la coiffure boubou essai. Et qu'est-ce qu'on a fait dans l'épisode précédent? On a relooké la salle de bain, qui maintenant est super jolie. Donc voilà, on a une très belle petite salle de bain. Donc on va essayer de gagner encore des sous pour créer un nouvel étage. Pour mettre les chambres des petites à l'étage et faire des bureaux, faire vraiment plus d'espace, qu'on sente mieux, qu'on améliore aussi tous les objets pour être bien. Voilà, ça c'est bon, tu vas ranger ça. Mais oui, bien sûr, assieds-toi d'abord, c'est tout à fait logique. La chaîne romance, voilà. Toi, ouais, bon. Qu'est-ce qu'on a fait en fait au niveau de la salle de bain? J'avais acheté un WC incassable, c'est vraiment le meilleur WC du jeu que j'ai acheté. Donc comme ça, les gosses me le casseront plus. Donc ça c'est déjà super. On a acheté une douche et une baignoire bien séparées, ça peut être pratique aussi. Maintenant c'est vrai que le truc qu'on avait avant était un petit peu mieux, mais on va essayer de se prendre une baignoire vraiment détente qui était à 12 000 aidés. Ça si je pense qu'on la gardera quand même, mais on fera une deuxième salle de bain à l'étage. Ça pourra vraiment être super bien. Toi, on va prendre en vitesse une douche. Et donc qu'est-ce que tu dois faire toi comme tu es notre prochaine fille? Tu vas faire tes devoirs quand tu auras terminé. Toi. Ouais, il faut que tu manges. Hop. Donc je pense que la prochaine pièce qu'on améliorera, ça sera la cuisine. En fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un étage pour monter enfin, la chambre des gamines au-dessus, créer un petit bureau qui serait peut-être sur mon rez-de-chaussée, je pense. Ou à l'étage aussi, je sais pas. Enfin voilà. Toi. Ouais voilà, prendre une douche. Et est-ce qu'elle doit faire ses devoirs? Ouais, elle doit faire ses devoirs. Qu'est-ce que... Oh non, mais elle s'est encore pissée dessus, là, l'autre, là. Ça y est, c'est Bagdad. C'est vraiment dégueulasse. N'importe quoi. Oh là 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 là. Ah merde. Allez. Enlever la nourriture gâtée. Ah non, pas ça. Toi, enlève la nourriture gâtée. Bon, on va lui faire prendre une douche et tout le bordel comme ça. Elle sera bien. Prendre une douche. Ah, on peut améliorer? Ouais, faudra que c'est d'améliorer, tiens. Pour faire vraiment des trucs super cool, comme c'est le meilleur WC, donc on va l'améliorer. Pas tout de suite, si. Allez, on va essayer de l'améliorer parce qu'il y a à peine 11 h du matin, là, et voilà. Bon. Toi, qu'est-ce que je peux faire de toi? Et toi? Ouais. Bon. Voilà, hop, ça c'est fait. Ouais. Bon, on peut papoter un peu toutes les deux, ça peut être bien. Bon bah les gars, je vous reprends à l'hôpital. C'était super vite, j'ai pas vu le truc passer. Les amis, c'est assez galère parce que... Ouais.
Elle est vraiment crevée. Heureusement, c'est censé la remettre d'aplomb. Je fais l'accouchement après, elle sera bien, je pense. Regardez, 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 elle est déjà toute, toute bien là. Ça, c'est nickel. Je pense qu'on va la faire peindre. Bon, garçon, fille, un ou deux. On va voir. On va voir. Donc c'est un garçon. Donc on avait déjà Stéphane, Glenn, Jérôme. Je vais l'appeler Julien. Voilà. Oups. Voilà, on a un petit Julien qui est né. Voilà. Oh, qu'il est mignon. Qu'il est chopinou. Oh, il est tout mignon. Il est tout mignon, mignon. C'est super. On a notre... Oh non! Ah non! Oh non! Elle a vieilli! Elle est devenue adulte! Ah, elle est devenue adulte, les gars! Bon. Bah, c'est super, hein? Tu approches de la fin, ma vieille. On se reprend chez elle. Re, les gars, donc, ben, hop, 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 hop. Changer de tenue. Quotidien, on s'en fout, voilà. Et on va les peindre, nous. On va peindre les toiles surréalistes, voilà. Toi, tu vas reprendre tes véhicules. Toi, tu arrêtes de jouer la poupée et tu vas reprendre tes formes. Et à mon avis, les ados qui sont bien vont s'occuper du bébé pour le moment, pendant que la mère peint un petit peu. Ouais, c'est ce qui va se passer, je pense. Voilà. On... Dodeline. Voilà, on Dodeline. Très bien. Et on berce. Vas-y, berce là, voilà, c'est très bien, voilà, c'est nickel. Bon, toi, qu'est-ce que tu pourrais faire, toi? Tu t'y connais pas en truc, en... Non, tu t'y connais pas en... Non, je t'y connais pas, c'est pas grave, elle va nettoyer déjà ça, ça sera déjà très bien. Comme ça, elle va avoir ses devoirs. Comme ça, et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Bah toi, tes devoirs là-dedans. Par contre, elle, il faut absolument qu'il y ait des poids de compétences. Bon, tu vas jouer. Ça va te détendre en même temps, voilà, ça c'est bien. Hop. Voilà. Tu vas dessiner des formes, toi. Le bébé est bien. Ça, c'est cool. Un truc que je ferais, à mon avis, je ferais une pièce pour les ados, peut-être, où je mettrais le bébé dedans. Comme ça, ça sera les ados qui s'occuperont du bébé. Oh là là. Allez, tu dégages. Au revoir. Mais c'était quoi son prénom à lui? Florian. Donc on a... Donc Julien est notre 8e enfant. Il est né de Florian. Voilà. Comme ça, c'est noté. Et c'est correct. On ne se prend pas la tête. T'as fait quelque chose de bien, toi? Oh, c'est super joli ce que t'as fait là. Vendre un collectionneur. Voilà. Toile impressionniste, voilà, vas-y, fais-nous des trucs bien. Elle, ce qu'elle va faire, je pense, elle va nous cuisiner plein de trucs. Elle va nous cuisiner la blinde de trucs. Hop, vas-y, d'haricots saucisses, comme ça tout le monde va faire des broutés, ça sera génial. Elle. Ici, hop,
Débarrasser. On va déjà pour continuer à faire des trucs. On va vraiment essayer de grimper les trucs de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des pancakes, ouais. On va cuisiner, des œufs brouillés, voilà. De toute façon, elle a tous ses points. Dès que c'est fait, bah, elle peut... Elle pourra bah, grandir, quoi. Voilà, hop, nickel. Manger, voilà, direct. Hop, cuisiner, on va lui faire cuisiner quoi? Assiette protéinée énergétique. Ouais, non, ça peut être bien. Encadre étoile, voilà, vendre un collectionneur, hop. Toi. Ouais, ouvrir, mangeur, pas. Hop, prendre une portion. Oula, mais quelle idée de merde de faire des trucs comme ça. Prendre une douche, voilà. Après, tu pourras débarrasser le truc et t'y remettre. Ok, bah ça va, on avance bien. Elle est déjà à 2 points sur 3, on va la laisser faire. Hein. Oh mais c'est cool ce que tu nous as fait là, toi. Ranger, vas-y, range-moi ça. C'est bien. C'est bien, le petit là il pleure, enfin lui il pleure pas, c'est nickel. Allez, regarde la chaîne de cuisine, voilà, hop. Hop, débarrassé. Et comme j'essaie de tracer ou quoi, j'ai tellement envie que tous ces gosses se barrent pour avoir plein d'autres gosses. Oh, c'est immonde. Voilà. Et on va regarder pour peut-être faire d'autres trucs. On va encore faire au moins un autre plat. On va regarder pour faire un autre petit déjeuner. Toast avec les œufs. Après, voilà, on va faire ça. Ah zut! On a Julien qui vient de se réveiller. On va... Allez, vas-y, nourris-le. Un peu papoter avec lui. Voilà. Bercer. Voilà, ça c'est bien. Et voilà. Ouvrir et vas-y, mange un petit repas. Hop, hop. Et au dodo. Toi. On va quand même aller se faire coucher tout le monde, hein, ça sera quand même pas mal. Elle qui reste depuis 3 quarts d'heure devant son tableau, là, qui a fini depuis 3000 ans. Hop. Voilà. Elle a combien notre petite truc de poids de... Elle a 9... Elle sera bientôt à 10 aussi. Ça, c'est trop cool. Pourquoi tu sais pas aller? D'accord, ok. Voilà, laissez terminer.
Enfin, elle s'en sort bien. Elle vient de peindre un chef-d'œuvre en plus. Ça, c'est bien. Vendre. Oui. Voilà, ça, c'est parfait. Mange un petit bout. Hop. Ah, bah tiens, c'est vrai, on a encore un autre... voilà. Un autre certificat de naissance. Je vais voir aussi pour arranger la chambre de la maman. Améliorer la déco et tout. Ça peut être chouette. Ça peut être plus agréable pour vous comme pour moi. Hein. Enfin, et comme pour notre Sims7 aussi, parce que c'est quand même elle qui vit dedans. Genre déjà, si je peux pas lui offrir un bon lit. Pour améliorer son sommeil et son confort. Confort, lit. Combien coûte le meilleur lit de place? Le meilleur lit de place. Énergie 10. Ah, celui il est bien. Oh, celui il est bien. Ah, on va prendre celui-là, les gars. Attendez. Je vais juste balancer celui-là. Ah, il a tout de bien, celui-là. Oh, il est parfait. Regardez-moi ça. En plus, ça lui fait une belle chambre. Ça améliore vraiment bien ces trucs surface. On va prendre un truc joli. Attendez, je vais même mettre ça. Oups. On va même mettre un truc un truc assorti. Non? Oui, hein, ça peut être sympa d'assortir le... Non, c'est pas vraiment tip top. Ouais. Ouais, voilà, ça c'est bien. Les petites tables de nuit. Un truc joli. Ah ouais, ils s'en foutent. Il n'y a pas de bonus en fait avec les tables de nuit. Donc c'est vrai que je prenne des trucs trop chers. Regarde après un truc qui est un minimum joli, un minimum assorti. Ouais, celle-là est pas trop chère et elles sont jolies. Voilà. Et on va regarder pour... ouais, on va mettre ça peut-être là comme ça, tout le long du mur. Les petits certificats de naissance des bébés, des enfants. Comme ça. Voilà. Une belle grande famille. Voilà. Donc ça, c'est notre première matriarche. Au niveau des rangements, est-ce qu'on a des valeurs de trucs dedans? Non, hein. Parce que celui-ci, je l'aime pas trop. Enfin, je le trouve pas très beau. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un qui est pas trop cher et qui est joli? Celui-ci n'est pas trop cher et... Oh! Wow. Ah oui, c'est vrai! J'avais acheté un truc comme ça. Enfin, pas acheté, j'avais téléchargé quelque chose comme ça. Notre bébé, on va le mettre là au bout du lit. Non, on peut pas mettre là au bout du lit. Si, on peut. Ouais, on peut, hein. Voilà, là, comme ça. Ah ouais, non, je sais. On va mettre un petit miroir ici à côté. Décoration, miroir, voilà. Comme ça, comme ça. Ah oui, c'est tout cosy. C'est tout beau, tout beau, tout mignon. On va regarder pour mettre des petites décos ici aussi. Pour améliorer... Donc qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter un petit magazine People qui coûte 4 trucs et ça nous ajoute de la déco. Environnement 1. Ok. Environnement 8, waouh. Environnement 1. Environnement 2, un petit globe de... Ok, d'accord. Ah, bah tiens, je peux même mettre ça dans la salle de bain. Tiens, ça peut être joli. Regardez. Non? J'ai vu un... Regardez, un truc qu'on peut... Ça fait même environnement 1. À quoi, je peux pas le mettre? Ah, voilà, ici. Voilà. Hop. Est-ce que je peux mettre des choses dans les... Je pense pas, à mon avis. Si, je peux... Ouais, si je peux. Non, je peux pas.
si, regardez ça. Environnement A aussi, voilà, comme si elle avait le petit truc. Voilà, ça c'est bien. Je peux ajouter un tapis, vous pensez? Ça peut être joli, non? Un petit tapis. Ouais, il n'y a pas de... Ah voilà, là, ah, ça c'est fait. Je commence à avoir des tapis qui ont... Bon. Bah écoutez les gars. Ah, environnement 1 aussi. Hop, voilà la petite tasse. Voilà comme ça, petite tasse. J'ai envie d'avoir le paquet de mouchoirs à côté. Ça peut être sympa, comme petite déco. Quand t'es dans ton lit, que tu veux te moucher parce que ton nez est bouché, que t'es enrhumé. Ah voilà. Le mettre là? Non, pas le mettre là, je vais le mettre ici. Voilà. Bon bah voilà, on aura amélioré la chambre. C'est pas mal. Et voilà. Deux pièces déjà d'améliorer, ça c'est bon ça. Ça c'est nickel. Elle se sent bien parce qu'elle a peint, à mon avis, oui. Toile de génie, ouais, parce qu'elle a... Ouais, ça c'est cool. Et elle a le coin heureuse plus inconfiante, bon environnement. J'ai décoration d'un joli sourire. Oh, c'est super ça. Ça c'est cool. Ah bah notre bébé il dort, ça c'est bien. Et ici... Et ici pareil. Ah bah j'ai bien fait les gars, ça améliore. Oui non, ça améliore vraiment son état d'esprit en fait, les décorations. Donc l'air de rien, même si c'est que des décos, ça peut être important. Ouh là là. Ça va aller, tout va bien. Voilà, regarde, tout va bien. Hein, tout va bien, regarde. Regarde, on est potes, Julien, regarde. On est potes. Regarde, oui, ça c'est bien, ça. Hops. Et les amis, c'est ici que je vais vous laisser avec cet épisode du 100 bébés challenge. Je vais essayer d'attirer un des pères dans mes filets, si je puis dire. Bah, de choper un nouveau papa, ça peut être bien, quoi, parce que quand même, quoi, là, elle est plus enceinte et elle n'a pas vraiment de père en vue, donc voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!